commencer, vous allez préchauffer le four à 180 degrés. Premièrement, il va vous falloir 3 œufs battus, c'est-à-dire mélangés, pour que le liquide soit homogène. 50 g de beurre, 4 g de sel, et si on veut, 5 g de sucre. 125 ml d'eau. Et pour finir, 75 g de farine. Vous commencez par mettre de l'eau et le beurre dans la casserole à feu moyen. Le sel, vous mélangez à l'aide d'une cuillère. Maintenant, on a ajouté notre farine et on a enlevé le feu de la casserole. On va venir mélanger à la maryse. Vous allez venir remettre votre pâte à choux sur feu doux pour la dessécher. C'est très simple de dessécher la pâte, il faut juste écraser la pâte et la retourner. Et on va venir le faire pendant quelques minutes, environ 5 minutes. Vous allez mettre votre pâte dans un saladier. Vous allez rajouter en plusieurs fois vos œufs battus. Donc là, vous mélangez. Glissez notre pâte dans la poche à douille ou un sac qu'on va ensuite couper. Allez maintenant fermer votre poche à douille. On va maintenant venir couper le bout de notre poche à douille. Et maintenant, vous allez venir avec votre poche à douille faire les chouquettes. Et voilà. Donc elles vont aller au four 25 à 30 minutes